attention. À l'origine, la Sologne est un vaste marécage. Au XIe et XIIe siècle, des moines défricheurs, pour assainir et aleviner la région, canalisent les étangs et implantent la pisciculture pour se nourrir et vendre du poisson. Selon une légende locale, ces moines ont décidé d'allonger la période du carême afin de pouvoir mieux écouler leurs réserves de poisson. Pour une bonne répartition de l'eau, des ruisseaux relient chaque bassin les uns aux autres, d'amont en aval, et sont remplis par un déversoir appelé bonde. Sous Napoléon III, on plante des arbres feuillus, résineux et autres. Petit à petit, la forêt de Sologne voit le jour. Au XVIe siècle, la fièvre jaune sévit dans la région et décime une bonne partie de la population. Les rescapés, et encore aujourd'hui, les Sologniaux sont affectivement appelés les ventres jaunes. Les ventres jaunes, il y a des origines plus amusantes qu'on aime bien se raconter en famille ou le dimanche. Certaines mauvaises langues disent que les ventres jaunes viennent des amoureux qui faisaient des galipettes sous les genêts. Bonjour madame. Bonjour mesdames. Bonjour, qu'est-ce madame. Que vous lisez de beau? Je lis un livre d'un auteur qui a vécu longtemps en Sologne et qui l'admirait, Maurice Genevoix. Et le livre auquel je suis en train de me plonger, c'est Rabolio. Voilà. Mmh. Si vous voulez, je peux vous en lire un extrait. Oh oui, volontiers. Très gentil. Les souvenirs affluaient par longues vagues. Toutes les odeurs des bois. L'âcreté du terreau mouillé sur quoi fermentent les feuilles mortes, les effluves légers des résines, l'arôme farineux d'un champignon écrasé en passant. Les troncs d'épais sylvestres étaient roses, on voyait leur sang sous l'écorce. Et par les genêtières, c'était un flamboiement, une gloire lumineuse confondant les grappes fleuries dont l'odeur chaude amère flottait au loin, comme un pollen. Le printemps s'avançait, déjà s'inclinait vers l'été. La Sologne, c'est aussi la gastronomie, avec les deux produits phares, évidemment la fraise, que l'on retrouve un petit peu partout, mais surtout l'asperge, puisque la Sologne, c'est une terre de sable, et donc ce qui permet à l'asperge de pousser assez facilement. On en retrouve vraiment partout en Sologne, c'est le produit phare. Si on veut faire un repas typique sologniaux, je vous propose en entrée des asperges. Ensuite, on partira sur un pâté de Pâques, base de viande bien sûr élevée sur nos bonnes terres de Sologne. Ensuite, nous passerons au fromage, fromage de chèvre évidemment, puisque c'est la région, et en dessert, une succulente tarte tatin. Les sœurs Tatin ont inventé cette recette à la mode Beuvron, le fief de la tarte tatin. Pour accompagner tout ça, ce que je vous propose, évidemment, un bon verre de vin rouge ou du blanc, cheverny, courchevernuy, il y a de quoi faire. Aussi, pourquoi pas, une petite poire d'olivet pour terminer le repas en beauté. Nos voisins berrichons ont aussi des spécialités gastronomiques et je vous invite à remonter le canal du Berry et à retrouver Karine et ses confitures. Mémoire, j'ai toujours mangé des confitures quand j'étais petite. Je suis très gourmande, donc forcément, voilà, c'est ce goût pour les fruits et pour le sucre. C'est une transmission familiale puisque ma grand-mère faisait des confitures et mon papa fait toujours des confitures aujourd'hui.
Mon grand-père cuisinait beaucoup et ma grand-mère pâtissait, donc ils se complétaient bien. Et je me souviens très bien de la saveur de la gâche qu'elle pouvait nous faire. Et avec de la confiture dessus, c'est ma Madeleine de Proust à moi, de chez mes grands-parents, des mercredis après-midi qu'on pouvait avoir avec ma sœur. Et mon papa, lui, c'est lui qui m'a expliqué surtout comment faire la confiture à la tomate verte, puisque c'était une confiture que je ne faisais pas du tout. Et donc voilà, la confiture de tomate verte que je fais aujourd'hui, c'est sa recette. Le tablier de mamie. Donc, les épluchures, je les garde aussi pour les poules de la ferme des Oliviers. Comme ça, rien ne se perd. Ah, moi, c'est la confiture à l'orange. À l'orange. Ah oui, ça, l'orange, j'aime beaucoup la... Myrtille aussi. Ah, moi aussi, j'aime bien la myrtille. Je suis anti-gaspillage, donc j'ai réussi à décrocher un partenariat avec Marquette de Vierzon. Et donc, je leur rachète leur casse de fruits, notamment les bananes, les ananas, les mangues. Et ce qui me permet donc non seulement de racheter des fruits qui seraient partis certainement à la destruction, d'une part, et puis bah, d'autre part, de travailler aussi avec un supermarché localement. On est dans une région qui produit de très belles pommes et de très belles poires. La pomme du Berry, elle est quand même réputée. Et donc, c'était important pour moi de pouvoir me fournir le plus localement possible. On voit, les bulles, elles sont plus du tout pareilles. Elles sont beaucoup plus compactes et elles ont plus de mal. Elles sont moins aériennes. Donc là, ça commence à prendre. Donc là, je vais vérifier. Comme mamie me l'a... indiqué, donc on verse un peu de confiture chaude sur une assiette froide. Elle me disait, voilà, avec le doigt, tu dois sentir les petits fils. Donc là, ça commence à prendre. Et une fois que ce sera mixé, forcément, elle va devenir beaucoup plus solide. Je suis berrichonne d'adoption et oui, mon cœur maintenant bat pour le Berry. Dans le Berry, les campagnes étaient très vivantes. Évidemment, dans chaque village, il y avait plusieurs cafés, auberges. Et tout le monde vivait bien, je vous assure. Il y avait un monsieur, et je lui dis comment c'était dans le temps, la vie. Eh bien, il me disait, tu vois, hein, dans le temps, on n'était pas riche, mais on vivait bien. À force de mettre des économies de côté, des petits bouts d'économies, on avait un bout de baraque. On avait une ou deux vaches, on avait des chèvres, des poules, des lapins. On vivait vraiment de tout ça. On a été heureux. Avec rien, mais on avait été heureux. Dans le Berry, il y a eu beaucoup d'huileries parce qu'il y a beaucoup de noyers. C'est un arbre qui se plantait partout, le long des routes, dans les champs, dans les louches. En Berry, c'est le prolongement du jardin. Il y avait beaucoup de noyers. Donc, possibilité de faire de l'huile. Les noix sont récoltées par les propriétaires des noyers, bien entendu. Et il y avait chaque année dans notre village une vente de noyers sur pied pour toute la récolte sur les places publiques. Il y avait aussi les noix qui tombaient par-ci par-là, qui étaient ramassées par les grappilleurs, ceux qui voulaient faire un peu d'huile avec de la noix. Là, c'est la meule pour écraser la noix, les calons qu'on dit. Ben, tout d'abord, je commençais par la ramasser. Après, il faut le faire sécher au soleil, c'est le mieux. Après, ben, le casser, le trier.
puis les emmener, on les écrase. Après, ben, on les ramasse, on fait des boules. Et puis après, ben, on les met dans la marmite. Ça cuit environ une heure. Une fois qu'elle est cuite, on la met dans la presse pour sortir l'huile. Ben oui, mes grands-parents sont venus en 1916, qui l'ont acheté. Puis après, c'est mes parents. Après, c'est mes parents, moi, qui m'ont pris. Puis après, mon petit neveu. Pour l'instant. 6 kilos bruts font 2 kilos qui font 1 litre d'huile. Avant, il y en avait partout, hein. Il n'y a plus nulle part. Nous nous retrouvons dans la grange aux lingots de tourteau, reste de la pression des noix, qui sont destinées à l'alimentation des vaches et brûlées dans la cheminée comme du bois de chauffage. Voilà, pour de la vache. Mon enfance a été très marquée par l'huilerie de mes parents. Elle était à la campagne, évidemment, c'était une huilerie artisanale. J'avais 7 ans quand je l'ai découverte, cette huilerie achetée par mon grand-père en 1904. Quand l'huilerie était ouverte, vous savez, les odeurs dépassaient la porte. Et ça sentait très bon dans le village. Et les enfants, à la sortie de l'école, venaient chercher de la gouée. Ce qu'on appelait, c'était le tour du tourteau quand il sortait de la presse. C'était moelleux, évidemment, ça avait un bon goût d'huile, et les enfants adoraient ça. Les adultes aussi, d'ailleurs. Le fricasseur, c'est un berrichon, berrichonnant, disait « Eh bien, les v'là les gamins, une envolée de moignons, qu'on en qu'ils veulent !» Alors, mon père et lui ouvraient la porte, donnaient la gouée, et les enfants repartaient heureux, avec un commentaire du fricasseur « Eh bien, les gamins, régalez-vous donc !» Vos mamans n'auront pas besoin de vous faire la soupe. Et c'était la rigolade. À l'huilerie, c'était quelque chose d'impensable. En 52 avant Jésus-Christ, Jules César conquit la ville d'Avariche, aujourd'hui Bourges. Elle a la particularité d'être entourée de marécages nauséabonds et dangereux. En 1640, la ville de Bourges, cœur du Berry, vend des parcelles à des particuliers pour les transformer en terres exploitables. Certaines ne seront accessibles qu'en barque. Petit à petit, cela devient des jardins ouvriers avec près de 1000 marais sur une superficie de 135 hectares. Les familles y cultivent leurs propres fruits et légumes. Depuis 2003, ce site est protégé. Je connaissais une personne qui avait un marais juste à côté, là. Un jour, il m'a invité à le visiter. Et comme j'étais pêcheur et jardinier, ça m'a vraiment intéressé. Et le monsieur m'a dit qu'il y en avait un à vendre juste à côté. Alors, il m'a donné l'adresse des propriétaires. Dans la foulée, je suis allé les voir. Et dans le quart d'heure d'après, les marais étaient changés de propriétaire. Je l'ai possédé pendant 41 ans.
C'était une camaraderie. Tous les voisins se parlaient. On échangeait tous les graines, les légumes, les tout. Il y avait vraiment une bonne ambiance. Les petites fêtes, toutes les occasions étaient bonnes pour faire un petit arrosage, les barbecues. Il y a eu que ça, que du partage et de la camaraderie. On partageait nos graines, on partageait nos semences, on partageait tout. Pour la récolte des légumes, on était des fois obligés de venir tous les jours. Hein. Il y en avait qui louaient, mais il y en avait beaucoup qui étaient propriétaires. Beaucoup. Mais il y avait des classes sociales comme nous. Il y avait un gendarme, un militaire, il y avait des gens qui travaillaient à la poste, d'autres qui travaillaient chez Michelin. Ce n'étaient que des ouvriers. Eh bien, nous, on a acheté ce marais pour du jardin, pour faire nos légumes, nos conserves, nos confitures pour l'année, et pour venir aussi en dilettante quand il faisait beau. Et les légumes qu'on avait en trop, on en faisait profiter les voisins. On partageait nos légumes parce que tout ce qu'on avait en surplus avec des amis, des voisins, à côté de chez nous, et monsieur et madame Claire qu'on connaît depuis 41 ans. C'est pour ça qu'on a préféré vendre nos marais à eux plutôt qu'à des inconnus. Surtout Célestine, si oui. Le contrôleur de la gabelle, le fameux Gadelot, y vient. Oui, Gaston. Tu restes assise sur la chaise. D'accord. La chaise qui servait à stocker le sel pour les aliments et pour la conservation de la nourriture. C'était un coffre en bois isolé du sol où on pouvait faire s'asseoir une personne pour cacher le sel du contrôleur des impôts qu'on appelait à l'époque le gabelou. Bienvenue à la locature de la Strèze. C'est au cœur de la Sologne, donc une région extrêmement boisée, une région de tradition agricole, mais une région quand même très, très pauvre. L'ouvrier agricole était logé dans cette locature. Il était redevable aux fermiers ou aux châtelains de journées de travail pour payer ce loyer. Toute la famille vivait dans une pièce unique. C'est une construction extrêmement rudimentaire pour l'époque du XVIe siècle, comme on trouvait partout en Sologne, ce genre de dépendance dans les grandes propriétés. Pour loger les ouvriers, on appelait le bricolant, les gens qui faisaient la basse besogne. Cette locature est constituée de deux parties. Vous avez cette partie-là, qui est la partie habitation de la pièce unique dont je parlais tout à l'heure. Et là, vous avez la grange et les dépendances qui servaient pour le pressoir, parce qu'ils avaient un petit peu de vigne pour leur consommation de vin de tous les jours. Pour les quelques petits animaux qu'il possédait. Des chèvres, des moutons, un cochon, la charrette aussi pour pouvoir aller au marché. Somme toute, des choses relativement rudimentaires. Alors, chaque locature disposait de son four à pain. Contrairement à certaines régions qui possédaient un four municipal, qu'on appelait le four banal. En Sologne, les maisons sont très éloignées du bourg, donc il était quasi impossible, avec les moyens de locomotion de l'époque, d'aller cuire aussi loin. Donc c'est pourquoi il y avait un four dans chaque maison. Cette maison est typiquement solognotte parce qu'elle est restée comme elle était construite d'époque au XVIe siècle. Avec les matériaux de la Sologne, qui était le bois, il n'y avait pas de pierre,
Donc on construisait avec du torchis, la terre glaise qu'on extrayait du sol même de la Sologne. Les Sologniaux de l'époque, c'était des gens très humbles, pauvres, hein, souvent d'un tout petit gabarit qui était assez rablé, qui vivaient beaucoup à l'extérieur, hein, qui travaillaient souvent, comme je disais, au champ, qui étaient laboureurs, qui étaient manouvriers. Il faut savoir que l'espérance de vie n'était guère que de 35 à 40 ans à l'époque. Bonjour madame. Bonjour. Puis-je me permettre de vous poser quelques questions ? Je vous en prie. Je voudrais savoir depuis quand les danses et chants soloniaux traditionnels existent ? Certaines danses existent depuis le Moyen-Âge, par exemple les branles, les danses en chaîne, ça existe depuis très longtemps. Et les danses comme les bourrées, les mazurkas que nous avons dansées tout à l'heure sont plutôt des danses qui se dansaient beaucoup au 19e siècle. Et puis début 20e siècle, il y a peu de danses réellement sologniotes. Les danses qu'on danse en Sologne sont les danses du centre de la France. Beaucoup viennent du Berry, en particulier les bourrées. Mais il y a quand même quelques danses qui sont dansées exclusivement en Sologne, comme le branle de Sologne qu'on a dansé tout à l'heure. Alors nous utilisons beaucoup l'accordéon parce que c'est un instrument complet qui est très sonore, qui permet de jouer en extérieur. L'accordéon et la cornemuse, ce sont des instruments qui sont suffisants pour faire danser beaucoup de monde. Je récupérais tout ce que les gens chantaient, tout ça, et je les ai réécrits en musique. Celle-là, c'est une des dernières qu'on l'a retrouvée bien des années plus tard. Il y a peut-être si une dizaine d'années qu'on l'a réécrit. Mais elle était sur les bandes, mais comme toutes les bandes magnétiques ont été numérisées pour ne pas les perdre, et c'est quand les gens ont recopié tous les trucs, oh tiens, ça c'est vachement là, bien. Elle avait passé au travers quand elle avait tout. Attention, silence plateau, moteur, on tourne.